En marge de la première journée Spammy, des ateliers découverte mammifères marins pour les enfants ont été organisés au musée océanographique. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Sylvain Perroumal. Le sanctuaire Pélagos est un espace maritime de 87 500 km². Depuis 1999, un accord tripartite entre Monaco, la France et l'Italie permet de mettre en place des actions coordonnées dans le secteur pour protéger les mammifères marins de la Méditerranée. Afin de sensibiliser les plus jeunes à cette problématique, des ateliers découvertes étaient organisés jeudi après-midi pour les enfants au musée océanographique. Le but de cet après-midi, c'est de sensibiliser quatre classes, deux classes monégasques et une classe italienne, une classe française, par rapport aux pressions qui subissent les mammifères marins dans les sanctuaires Pélagos. C'est donc leur faire connaître les espèces qui sont observées régulièrement dans les sanctuaires Pélagos, ainsi que l'impact, les risques que ces espèces courent tout le temps. Au programme pour les enfants, un jeu de piste à l'aquarium ainsi qu'un atelier sur les mammifères de la Méditerranée avec un quiz sonore ou des petits jeux et énigmes. On a découvert là les cétacés, on a découvert les sons qu'ils faisaient, on a découvert aussi comment les identifier avec leur partie du corps si on ne voyait qu'une partie. On a pu découvrir des animaux, savoir à cause de quoi ils sont en voie de disparition, donc c'est la pollution sonore, aussi les déchets, bien sûr, et tout le reste. Et ça a été éducatif pour nous. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses sur les baleines, les différents types, les différentes couleurs, et comment aussi les reconnaître. On a aussi appris qu'ils sont en danger. Il y a aussi 90 espèces différentes. Et dans la Méditerranée, il y en a 18. Cette opération sera reconduite dans le futur. Objectif, établir des échanges réguliers avec des classes pilotes monégasques, françaises et italiennes afin de mettre en place des actions de sensibilisation auprès des enfants.